Poursuivons les didacticiels avec le voyant lumineux. Alors, on voit bien comment on va le brancher. On nous demande de le brancher dans le port A. Alors, on voit maintenant comment déplacer nos pictos. Parfait. Et on peut le faire jouer. Alors, on voit ici que notre voyant est bien allumé. Il s'agit de cliquer sur celui-ci. Alors là, on nous montre à utiliser le menu déroulant. Si je vais voir comment je le programme, donc je veux avoir les lignes d'en haut en rouge. Alors, je vais mettre en rouge. Je veux avoir les lignes du centre en orange. Et je laisse les lignes en bas en jaune. Alors, je peux faire jouer maintenant et je vois la différence. Et j'appuie sur Play pour pouvoir le faire. Alors, lorsque c'est complété, on appuie sur le crochet. On sera rendu au troisième tutoriel.